on a décidé de faire du hiking, puis on monte la montagne de San Bernardino, puis c'est vraiment très beau. On est arrivé à un point, puis c'est vraiment creepy parce qu'il y a juste des backpacks à terre. I feel like we're in a scary movie now! I need to document this! Really looks like a canyon. A small one. Ça fait 2 heures maintenant qu'on marche dans la montagne, puis c'est vraiment à pic. Fait qu'on arrive presque. Tellement beau là! On est venu monter le mont San Bernardino en Californie. On est presque arrivé au. Ben, en fait, on est arrivé au top d'une montagne. Puis là, les filles ont continué pour aller au top de cette montagne-là qui est pas très loin, mais quand on dit faut que tu connaisses tes limites, ben moi, heureusement, je sais les reconnaître. Puis là, c'était ma limite là, depuis un bout de temps. Depuis peut-être 1 km, là, je me disais que je trouvais ça tough, que j'étais super fatiguée, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait jusqu'ici. Puis je suis contente aussi de me respecter là, là-dedans, puis de d'admirer là, où ce que je suis, où ce que je suis rendue. On a fait, ça fait quasiment 7,5 km qu'on monte sur le mont. Puis arriver au top, c'est tellement beau, je capote. En ce moment, il y a un peu de brume, comme à cause des nuages. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir en arrière de moi. Il y a un peu de brume, mais ça ajoute au paysage. C'est tellement beau. Puis il y a des montagnes avec de la neige à ma droite, puis il y en a aussi à ma gauche. Où ce qu'on est, c'est vraiment désertique. Là. Il y a des cactus. Là, ici, je pense qu'il n'y en a peut-être pas, mais ça ressemble un peu. C'est comme des yuccas un peu. On sent que c'est vraiment aride et que c'est désertique. En bas, il y a des cactus. Il y a plusieurs sortes d'arbustes, mais c'est vraiment rendu en haut de la montagne qu'on peut admirer toute la beauté du paysage de la ville de San Bernardino et de San Bernardino, puis des environs. Ça, c'est le campus universitaire. Puis ce qu'on voit là, juste ici en bas, c'est l'observatoire. Il y a un observatoire pour regarder les étoiles le soir, mais en fait tous les astres. Puis on peut aussi y aller durant le jour, on va les voir aussi.